Aujourd'hui, cours de maths, on va apprendre les soustractions avec des tasses. Vous avez du mal à voir le rapport ? En fait, il s'agit d'une technique d'apprentissage nommée la méthode de Singapour. Elle va être expérimentée dès la rentrée prochaine à l'école primaire. Cette technique vise à décliner un concept mathématique en trois étapes pour passer du concret à l'abstrait. On commence avec quatre tasses que les élèves vont pouvoir observer et toucher. Ensuite, ces objets deviennent des représentations, puis des concepts mathématiques. À Singapour, où cette technique est née, les élèves sont très bons en maths. Ils sont en tête du classement PISA, une étude qui évalue le niveau scolaire des jeunes de 15 ans à travers le monde. Les Français, eux, sont 23e du classement. Il y a du boulot. Life. 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 Life.